Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment optimiser nos images sur Photoscape et Concrete 5. Nous allons utiliser le logiciel Photoscape pour retoucher nos photos. Allez sur Google, puis cliquez sur le lien www.photoscape.org. Téléchargez le logiciel et installez-le sur votre ordinateur. Une fois sur Photoscape, cliquez sur le mode édition. Dans un premier temps, sélectionnez vos photos dans vos fichiers qui apparaissent à gauche. Pour redimensionner vos photos, cliquez sur « Redimensionner » en bas dans « Général ». Choisissez les nouvelles mesures et tapez sur le bouton « Entrée » de votre clavier. Pour rogner une photo, allez dans « Découper », puis vous aurez plusieurs choix. Le découpage libre est recommandé pour sa simplicité. Cliquez sur l'image et restez appuyé pour rogner l'image. Quand c'est fait, appuyez sur le bouton « Entrée » de votre clavier. Photoscape peut vous permettre de renommer plusieurs images en même temps. Rendez-vous dans Traitement par lot, glissez-déposez vos images sur le centre et cliquez sur Tout convertir. Cliquez sur Choisir un nouveau nom, puis Enregistrer. Pour charger vos images dans le gestionnaire de fichiers, allez dans le tableau de bord, puis sur Fichier et enfin Gestionnaire de fichiers. Cliquez sur Téléverser des fichiers en haut à droite, une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur le centre de la fenêtre pour charger vos images. Sélectionnez-les sur votre poste de travail, attendre qu'elles soient téléchargées puis fermez la fenêtre. Votre image est désormais dans le gestionnaire de fichiers. Attention aux droits d'image si vous les récupérez sur d'autres sites. Pour insérer vos images dans votre site, allez sur la page où vous voulez les inclure. Cliquez sur Ajouter du contenu, puis glissez-déposer le bloc Images sur votre page. Cliquez sur Choisir une image et vous serez redirigé vers votre gestionnaire de fichiers. Recherchez et choisissez votre image, puis cliquez sur Ajouter. Votre image apparaît désormais sur votre page. Pour gérer vos collections, c'est-à-dire un regroupement d'images, allez dans le tableau de bord, puis sur Fichier, puis sur Collection de fichiers. Pour ajouter une collection, allez sur Ajouter une collection de fichiers. Nommez votre nouvelle collection et cliquez sur Ajouter. Votre nouvelle collection apparaît désormais dans la liste de vos collections. Pour ajouter une image dans une collection, allez dans le gestionnaire de fichiers, faites un clic droit sur l'image puis Collection. Vous pourrez alors choisir dans quelle collection placer votre image. Pour ajouter plusieurs images en une seule fois, restez appuyé sur la touche CTRL de votre clavier lorsque vous sélectionnez vos images. Si vous voulez optimiser vos images pour le référencement, ajoutez votre image à votre page. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, remplissez le champ texte alternatif puis cliquez sur Ajouter. On se retrouve bientôt dans un nouveau tutoriel avec Cotéo.